Je suis Myriam Knop, je mesure 1,62 m. Je suis Myriam Knop, je suis diabétologue à l'hôpital Erasme et chercheur. Ma recherche est multidisciplinaire. Nous travaillons sur le diabète et mon travail concerne plus particulièrement le diabète de type 2 qui touche actuellement déjà 8% de la population en Belgique et en Europe. Ces maladies s'installent quand il y a une défaillance de la cellule bêta pancréatique et notre recherche essaie de clarifier pourquoi cette défaillance s'installe. Et on sait maintenant qu'il ne s'agit pas d'un problème d'un gène ou une protéine, mais qu'il faut vraiment interroger les 20 000 gènes que nos cellules expriment. Et pour ce faire, nous avons besoin de plusieurs compétences et plusieurs expertises. Nous avons monté un projet européen dans le système de financement Horizon 2020, Horizon 2020. Et donc, on rassemble dans ce projet des cliniciens, des diabétologues, des généticiens, des biologistes moléculaires et aussi des mathématiciens et des informaticiens et des bioinformaticiens afin d'interroger ces 20 000 gènes exprimés dans la cellule bêta en une fois. Cette approche multidisciplinaire nous permettra de mieux comprendre la fonction de la cellule bêta et sa dysfonction dans le diabète de type 2. Pour répondre à cette question complexe, il est essentiel qu'on réunisse autour de la table des experts en médecine, en biologie et en bioinformatique et que cette complémentarité va nous permettre d'avancer de façon significative dans le domaine. C'est le résultat de cette je ne sais plus. Je...